I said, je suis avec toi. I'm with you tous les jours, all the days, jusqu'à. Attends, je suis plus fort que ça. Je veux que tu fasses un bruit pour le Seigneur, parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. We are going to read the word of the Lord. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. In the book of 2 Kings, chapter 4. Par verset 38. From 38. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine, 10 famines. Dans le pays, 10 pays. 10 famines. Dans le pays. Alléluia. Et comme les fils des prophètes étaient assis. Devant qui? Devant le prophète. Il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage et il cueillit des coléquins sauvages, plein son vêtement. Et quand il rentra, il les coupa en petits morceaux dans le pot. Où était le potage? Car on ne les connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent pris, ou dès qu'ils eurent mangé le potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez la farine. Et il en jeta dans le pot et dit, c'est à manger à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Dis rien de mauvais. Dis encore, plus rien de mauvais dans le pot. In the pot. Alléluia. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. No arm in the pot. Alléluia. Un homme arriva. Dis à quelqu'un, un homme arriva. Dis encore, un homme arriva. Ton défecteur te parviendra. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, ton bienfaiteur viendra vers toi. Un homme arriva. Alléluia. De très, très, très loin. Alléluia. Et il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. Et il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes et qu'ils mangent? Donne à ces gens et qu'ils mangent, dit Élisée. On mangera et on aura du reste, dit du reste. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent. Il y eut du reste, selon la parole de. Dis un prophète parmi nous. Prophète among us. Dis prophète, parle-moi. Say prophet, speak to me. Amen. Amen. Quelqu'un sera béni ce matin. Somebody will bless this morning. Quelqu'un sera béni ce matin. Somebody will be blessed this morning. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Que le prophète de Dieu, the prophet of God, Élisée, Elisha, il revint à Gilgal. He came back to Gilgal. Et quand la Bible dit alors qu'il revint, when he said he came back, c'est qu'il était là avant. He mean was there before. Et il est encore revenu. And he came back. Dis à ton voisin pourquoi il est revenu. Why did he come back? Ah. Pourquoi il est? Why did he come back? S'il est revenu à cet endroit, if he came back there, c'est parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas encore achevé. What he started in the end. Alléluia. Amen.
Il a commencé quelque chose. He started some things. Qui n'est pas encore achevé. And he didn't end. Je dis à quelqu'un ce matin. I'm telling you. Ce que Dieu t'amène dans ta vie. What has started in your life? Il viendra pour l'achever au nom de Jésus. You can't end it. Ce qu'il a commencé dans ta vie. What has started in your life? Il viendra pour l'achever. You can't end it. Si tu le crois. Alors mon frère, ma soeur, attends le temps de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Ne sois pas pressé. Car il ne fait que du bien. Ma Bible dit, vous savez comment Dieu le Père, il a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, pour faire quoi? Pour faire du bien à quelqu'un. Il peut aller en Galilée, il peut aller à Jérusalem, il peut aller à Bethesda, il peut aller à quelque part pour faire seulement du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il revient où? He came back where? Il revient à Gilgal. He came back to Gilgal. Alléluia. Amen. Et que signifie Gilgal? What meaning Gilgal? Il faudrait rouler le probe qui se trouve. The shame of it. Gilgal signifie action de rouler. The remove. Alléluia. Action de rouler. The action to remove. Rouler quoi? Remove what? Rouler le probe. Take away the shame. Le déshonneur. The dishonor. La désolation. The desolation. L'échec. The failure. La maladie. The sickness. La pauvreté. The poverty. La mort. The death. Toutes ces choses seront roulées au nom de Jésus. But to remove them. Alléluia. Amen. Un beau matin. One morning. Des femmes se sont levées. Women stood. Et elles se sont dit. They said. Nous irons embaumer. We will go. Le sépulcre. The graveyard. De notre maître qui est mort. Of our master who is dead. Et elles se sont levées. They stood. Par la foi, through faith, et elles allaient au tombeau. They went to the grave, avec des aromates, with spice. Mais en cours de route, on the day way, elles ont commencé par se poser des questions. They wonder, mais comment pourrions-nous entrer? How can we enter? Qui nous roulera? Who will go to remove? La grosse pierre, the big stone, qui est positionnée? Which is? Qui nous roulera cette? Who will remove? Grosse pierre, that big stone. Mais elles s'avançaient. They go, they went. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, as they are going, elles vont alors faire la découverte. They make the quelque chose va se passer. Something happened. Je dis à quelqu'un, I'm telling you, le pot qui est sur ta vie sera roulé au nom de Jésus. Je ne sais comment. I don't know how. Mais je sais une chose. I don't want to. Tu découvriras. You discover. Après cette veillée. Que le pauvre a été ôté. The same si tu ne peux pas dire amen. You cannot say amen. Ma Bible me dit. Baba says, mais quand elles sont arrivées. When they arrive, elles ont fait un constat. They notice. Ah. La pierre n'est plus là. The stone is not there anymore. I'm telling you. Ta maladie a déjà disparu au nom de Nazareth. The sickness has disappeared. Le problème est déjà ôté au nom de Nazareth. The problem has been removed. Le souci est déjà ôté au nom de Nazareth. Tu découvriras. You discover. Qu'il n'y a plus de problème. There's no problem anymore. Qu'il n'y a plus de maladie. There's no sickness. Qu'il n'y a plus d'échec. There's no failure. Je dis à quelqu'un. I'm telling you. Ce matin. This morning. Le grand jour s'est levé pour toi. Great day has been rising for you. Et la grosse pierre. And the big stone. La pierre pesante. The stone. Sera roulée. Will be removed. Si de quoi dire amen. You cannot say amen. Alléluia. Amen. Il revint. They came back. À Gilgal. He came back to Gilgal. Et il était assis. And were sitting. Et les fils des prophètes. And the son of a prophet. Étaient aussi assis devant lui. Were sitting before him. Et le grand prophète. And the great prophet. Le prophète major. The major prophet. Il a regardé. Look at. Les fils des prophètes. The son of a prophet. Et il a découvert. And he discovered. Look, ils ont faim. They are hungry. Dis, ils ont faim. They are hungry. Il y a prophète dans prophète. Il y a prophète dans prophète. Il y a prophète majeur, il y a prophète mineur. Il y a major prophète dans majeur. Dis, il y a prophète dans prophète. Il y a prophète dans prophète. Alléluia. Le grand prophète était assis. The great prophet was sitting. Les fils des prophètes étaient aussi assis. The son of the prophet. Et il les regardait. And look at them. Et au fur et à mesure qu'il les regardait, as you are looking at them, il a noticed, discerné, il a découvert, he discovered, leur problème. Their problem. Dis à quelqu'un. Say to somebody, le prophète, the prophet, peut discerner, can discern, découvrir, to discover, ton problème, your problem, et tu le révéler, and they reveal it to you. Ah, tu n'as pas compris. You didn't understand. Élisée, Elisha, a découvert, discover, qu'ils ont un problème, that they have a problem. Ah, ils avaient faim. They are angry. Dis la faim. Angry. La faim n'est pas une bonne chose, oh. Anger is not a good thing, oh. La faim. Anger. Ils avaient faim. They're hungry. Parce que c'était alors le temps de la famine. It was a time of famine. Donc c'était un temps difficile. It was a time. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news for you. Quel que soit. It doesn't matter. La difficulté. The difficulty. La sécheresse. The dryness. Les problèmes. The problem.
tu ne manqueras de rien. You will not lack. Non, tu n'as pas compris. You didn't understand. Je dis, quel que soit it doesn't matter, la gravité the situation, de la situation, the difficulty of the situation, toi, enfant de Dieu, you child of God, tu ne manqueras de rien. You shall not lack. Pourquoi je dis cela? Why I'm saying this one? Parce qu'il est le grand pourvoyeur. He's the provider, the great provider. Dis pourvoyeur. The great provider. David a dit, j'ai été jeune. David said, I was young. J'ai grandi. And I have grown up. Je n'ai jamais vu. I've never seen le juste abandonné. The righteous man before. Ni sa postérité. Any posterity. Mendier son begging pain. Their bread. Je n'ai jamais. I've never seen it. Hallelujah. Amen. Tu ne mendieras pas ton pain. You shall not beg your bread. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai you dit. You didn't understand. Tu ne mendieras pas ton pain. You shall not beg your bread. Il dit, tu ne mendieras pas I ton say pain. You shall not beg your bread. Mon frère, ma soeur, tu n'iras pas que mander pour manger. You will not go and beg to eat. Quelle que soit la famine. It doesn't matter the famine. Quelle que soit la difficulté. It doesn't matter the difficulty. Quels que soient les problèmes. It doesn't matter the problem. Celui qui t'a arraché du monde des ténèbres, the one who took you from darkness, et qui t'a établi dans son royaume, and established in his kingdom, il n'est pas un incapable. He's not an able man. Parce qu'il a dit ceci. Because he said, je suis avec toi. I'm with you tous les jours, all the day, jusqu'à until tous les jours, all the day, jusqu'à until à partir de ce jour, from now jusqu'à ton dernier jour, until your last il day, il sera avec toi. He will be with you. Il a déclaré, he declared, je ne t'abandonnerai point. I will not forsake you. Je ne te délaisserai point. And I will not leave you. Et s'il est avec moi, if I'm with me, ma Bible me dit, my Bible says, je ferai des exploits. I will do exploits. Je ferai des, I will do exploits. Des exploits. La famine. Famine. Mon frère, ma soeur. My brother, sister. Nous sommes au temps de la famine. We're in time of famine. Nous sommes au temps de la. We are in the time of famine. Où il y a une famine spirituelle. There is a spiritual famine. Aujourd'hui dans le monde. Today in the world. Les bonnes paroles sont rares aujourd'hui. Good words are rare. Mais quelle que soit la famine, doesn't matter if famine, le pourvoyeur pourvoira. The provider shall provide. Et tu vas manger la bonne nourriture. And you shall eat a good food. Élisée a dit. Elijah said. Mettez le grand pot. Put a big pot. Et faites cuire du potage. And cook the pottage. Afin que ces hommes puissent manger. So that the man can eat. Il parlait à qui? He was talking to who? Il parlait à son serviteur. He was talking to his servant. Amen. Amen. Il parlait à qui? He was talking to who? Il parlait à son serviteur. To his servant. Mais pendant qu'il parlait à son serviteur, as he was talking to his servant, il y a eu un agité spirituel. Dis agité spirituel. There was a spiritual baby agitated. Un agité spirituel. The spiritual agitated. Qui s'est levé? Who stood? Il a couru. He ran. Pour aller où? To go where? Pour aller dans les champs. To go to the farm. Touche ton voisin. Touch your neighbor. Dis-lui ne sois pas agité. Don't be agitated. Demande-lui. Ask him. On t'a dit quelque chose? Did they say something to you? Est-ce qu'on t'a parlé? Did they speak to you? Est-ce que c'est à toi qu'on a dit d'aller faire? Is you that told you to go and do it? C'est à toi qu'on a demandé. Did they ask you to go? Les agités spirituels. Spiritual agitated. Il a dit. He said. À son serviteur. He said to his servant, Gehazi, mets le grand pot. Put the big pot. Fais cuire du potage. And cook a pottage. Et donne à ces gens afin qu'ils mangent. And give to people to eat. Et comme ils étaient tous assis, as they were sitting all, il a entendu le message. They heard the message. Et il s'est précipité. And he rushed. Il est parti où? He went where? Dans les champs. In the farm.
Est-ce que Élisée les a envoyés dans les champs? Did Elijah send them to the farm? Hey, demande à ton voisin dans quel champ tu es parti. In which farm did you go? Il a dit, he said, prends le grand pot. Take the big pot. Fais cuire un potage. Cook a potage. Afin que ces gens puissent manger. So that the people may eat. Cela veut dire, he mean, tout ce qu'il faut, what you have to pour do faire cuire le potage, to put the potage, est déjà là. He's already there. Mais la cité est parti dehors. He went outside. Croyant que la bonne chose est au dehors. Tell the good thing are outside. Je dis à quelqu'un ce matin. I'm telling you. Reste dans la maison. Come back home. Assieds-toi. Sit. Est-ce qu'on t'a sonné? Did they ring you? Il a couru. He ran. Pour aller dans les champs. To go to the farm. Pensant que thank you. Il y a de bonnes choses là-bas. There are good things over there. C'est ainsi. Then, oui. Au temps de la famine. Time of famine. On a beaucoup de chrétiens girafes. We have a lot of giraffe Christians. Ils ont de longs cou. They have long neck like that. Et leurs yeux sont toujours là-bas au dehors. Their eyes are always outside. Il y a quelqu'un qui reste dans la maison. Stay at home. Hey. Est-ce qu'il y a des chrétiens girafes ici ce matin? Do we have giraffe Christian here? Cet agité est sorti de la maison. He went outside, that agitated. Il entra dans les champs. He went to the farm. Puis il trouva une vigne sauvage. Vine, a wild vine. Et il accueillit des coloquintes sauvages. And he took them. Un poison mortel. A dead poison. Mais lui, but he, il ne savait pas. He didn't know. Que ce qu'il appelle bon, what he think is good, était un cadeau empoisonné. It was a poison for him. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I speaking to somebody? On dit souvent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Most of all, you to say, well, everything which shine is not everything tout is gold. Tout ce qui est en train de briller, tu crois que c'est de l'or? You think it's gold? C'est juste des pacotis. That's fake. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I speaking to somebody today? La Bible déclare. Mais papa déclare. Il courut. He ran. Au dehors. Outside. Dans les champs. In the farm. Et il entra. And he came. Dans une vigne sauvage. With a wild vine. Et il ramassa des coloquins sauvages. He took all those. Prit son vêtement. Put in the cross. Et il arriva. And he arrived. Il les coupa en petits morceaux. He cut them in pieces, to pieces. Puis il mit cela maintenant dans le pot. And put in the pot. Je pose la question à quelqu'un ce matin. I'm asking you. Qu'est-ce que tu as ramené de dehors? What did you bring from outside? Que tu as déjà coupé en petits you morceaux. You have cut in piece, into pieces. Et tu es prêt maintenant à les distribuer à ceux qui sont dans la maison. And you are ready to share it to those who are in the house. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I speaking to somebody? Tu es allé dans le champ. You went to a farm. Tu as vu une vigne sauvage. You saw a wild vine. Et tu as cueilli des coloquins sauvages. And you took all those herbs. Plein ton vêtement. In your clothes. Et tu as ramené ça maintenant. And you brought it now. À la maison. In the house. Et tu es parti les mettre maintenant dans le pot. And you put in the pot. Pour que ceux qui sont dans la maison, so ceux qui sont assis, puissent en manger. They should eat. Ne sachant pas ce que tu as ramené. But you don't know what c'est you un brought. Poison que tu as ramené dans la it's maison. The poison you have brought. Église de Dieu, faisons beaucoup attention. Children of God, watch out. À tout ce que nous pouvons faire venir what de dehors. What you can bring, all those you can bring out from outside. C'était un ignorant. It is ignorant. Et c'est ce qui fait aujourd'hui problème dans l'église.
This is what brings problem in the church today. On n'est pas satisfait. We are not satisfied. De la nourriture alors du père de la maison. From the food of the father of the house. Et on va chercher. We go look for. Dans les champs. In the farm. Des vignes sauvages. The wild vine. Qu'on amène dans la maison. And we bring in the house. J'ai pas de quoi. I'm talking about des what? Doctrines. All those doctrines. Erronées. Wrong doctrine. Empoisonnées. Poison doctrine. On veut amener dans la maison. And we have to bring in the house. Je prie ce matin. I pray this morning. Que Dieu. May the Lord. Nous délivre. Deliver us. De cette agitation spirituelle. From those spiritual agitation. Je dis bien que Dieu nous délivre. I say may the Lord deliver us. J'en fais partie aussi. Me also among. Alléluia. Amen. De toute forme d'agitation. From any kind of agitation, spiritual agitation. Qui peut occasionner la mort. Who can bring the death. De tout le peuple. Of all the people. Quand il est venu, il a mis ça dans le pot. He put it in the pot when he came. L'abbé dit. The Bible says. On servit à manger le potage. They began to serve to those who were here. Il avait dit dès qu'ils eurent mangé. As soon as they had. Cela veut dire, he mean, il est arrivé à contaminer les autres. He was able to contaminate some. Ils ont mangé. The ant. Ils ont the ant. Et c'est après avoir mangé qu'ils ont constaté. After eating and they noticed qu'il y avait la mort. There were dans death le pot. In the pot. Dit la mort dans le pot. Death in the pot, say it. C'est maintenant je vais commencer mon message. Now I'm starting my message. La mort dans le death in the pot. Il cria la mort dans le pot. He shouted death is in the pot. Homme de Dieu, il y a la mort dans man le pot. Man of God, there is a death in the pot. Mais ce matin, this morning, nous allons traiter cette mort dans le nom de Jésus-Christ. We are going to treat it. C'est pourquoi nous avons chanté le grand jour s'est levé. That's why we sang. Et la mort a risen, and death has disappeared. La mort dans le pot. There is a death in the pot. Et il ne pouvait plus manger. We were not able to eat anymore. Ce potage. Those pottage. Parce que la mort est entrée dans le pot. Because death was inside. Souvent on dit que la mort. Sometimes we say death. C'est la fin de toutes choses. It's the end of everything. La mort. The death. C'est la cessation de la vie. It's the season of life. Mais laisse-moi te dire ce matin. Let me tell you this morning. La mort n'est pas la fin de toutes choses. Death is not the end of everything. La mort. The death. Qu'elle soit physique. Whether physical. Qu'elle soit spirituelle. Or spiritual. Qu'elle soit morale. Or so moral. C'est juste alors un temps de transition. It's just a time of transition. Alléluia. Qui te permettra de quitter who allow you to go une étape pour une autre étape from another step to one step une position pour une autre from position. One position to another position la mort the death est entrée dans le pot is in the pot hallelujah amen ma Bible me dit My Bible declare, dans le jardin, in the garden, il y avait la vie. There was life. Et Dieu a dit, and God said, ne touchez pas, don't touch, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. From the tree of knowing evil and good. Le jour que vous touchez à cette arbre, the day you touch, et que vous mangerez de son fruit, and you shall eat of those fruits, vous mourrez, you will die. Amen. Amen. C'est-à-dire, il mean. La gloire divine, the divine glory, s'éloignera de vous. Will go away from you. La présence divine, the divine presence, s'éloignera de vous. Will go away from you. Le jour où vous en mangerez, the day you eat. Puis ils ont mangé, and they ate. Ils ont mis la mort, and they brought the death, dans le pot, in the pot. Je parle de quel pot? I'm talking about which pot? Le jardin d'Éden. In the garden of Eden. La mort est entrée. The death enter. Puis Dieu dit. And God said. Empêchons-leur maintenant de manger l'arbre de la vie. We should stop them to eat the fruit of life. Car s'ils mangent alors du fruit de l'arbre de la vie. If they eat the fruit of life. Ils demeureront éternellement. They will be eternal everlasting. Dans cette mort. In this death. Alléluia.
Amen. Voilà pourquoi je dis. That's what I'm saying. Dieu ne voudrait pas que tu meures. God doesn't want you to die. Il voudrait que tu vives. He wants you to live. Parce que lui, il est la vie. Because he's life. Il t'a créé à son image. He created you at his image. Il t'a créé à sa ressemblance. He created you for likeness. Tu es aussi l'incarnation de la vie. You are the incarnation of si life. Si tu crois, dis amen. If you believe, say amen. Voilà pourquoi. That's why. Ma Bible me dit dans Jean 14 verset 6. In a John 14 verset 6. Par la bouche de Jésus lui-même. Through the mouth of Jesus himself. Il dit quoi? Je suis. He said, I'm le chemin. The way. La vérité. The truth. Et la vie. And life. Alléluia. Amen. Je viens pour donner la vie. I come to give life. Je viens pour montrer le chemin. I come to show the way. Je viens pour vous dire la vérité. And I'll tell you the truth. Il a dit dans Jean 11, verset 25. He said, James, je suis I am la résurrection, the resurrection et la vie. And life. Quiconque croit en moi, anyone who believe in me, vivra quand même il serait mort. He shall live even he die. Donc je dis à quelqu'un ce matin, I'm telling you, il y a encore de l'espoir. There is still hope. Alléluia. Amen. Si tu crois en lui, if you believe in him, tu vivras. You shall live. Si tu crois en lui, if you believe in tu him, vivras. You shall live. Si tu crois en lui, if you believe in tu him, vivras. You shall live. Amen. Amen. La mort, life, death, sorry, est entré dans le pot. Enter is the pot. Et il ne peut manger. And they cannot eat anymore. Et ils ont crié. And they created. Mais ma Bible me dit. But the Bible says. Il avait là l'homme de Dieu. There was a man of God. Le prophète était là. The prophet was there. Et quand il a entendu, when he heard le cri, the shouting, la mort est dans le pot. There is a death in the pot. Qu'est-ce qu'il a fait? What he said? Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? Il a dit. He said, amenez-moi. Bring me la farine. A meal. On lui donna la farine. They give it, as they give the meal, il prit la farine, took the meal, et il le jeta dans le pot. He poured it in the pot. Puis il a dit, donnez-leur à manger. Give them to eat, food to eat. Et dès que la farine est rentrée dans le pot, when the meal entered the pot, la mort a, and the death disappeared. Je dis à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. There is hope, there's still hope for you. Je dis ce matin, this morning, quelque chose va se passer dans ta vie. Something will happen in your life. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. Je dis ce matin, this morning, quelque chose va se passer dans ta vie. Something will happen to your life. Parce qu'un prophète est parmi nous. Because there is a prophet among us. Élisée, le prophète était présent. If the prophet was there, quand what, cette chose est arrivée, all those things happened. Et quand ils ont crié, when they shouted, la mort est dans le pot. There is a death in the pot. Élisée s'est levé. Elisha stood. Et la solution est arrivée. And the solution came. Oh, la Bible déclare. And the Bible declares, dans le psaume 34, verset 7. In the psaume 34, quand le malheureux crie, when the wicked shout, l'Éternel, the weak man shout, l'Éternel, the Lord hear him. Et il fait quoi? And he does what? Et il les délivre. And he delivered him de toutes les frayeurs. From all those evil. Dis à quelqu'un, say to somebody, dans les temps difficiles, crie à Dieu. And we ask him, cry unto God. Et il t'entendra. And he shall hear you. Et il te délivrera. And he shall deliver you. Quand le malheureux crie, when the people, quand un malheureux crie, when the wicked man crie, shouted, l'Éternel entend. The Lord hear him. Et il fait quoi? That's what. Il descend de sa condition. He came from his position. Il le délivre. And he delivered him. Il le sort. And he take il l'arrache. He take him away. De toutes ses frayeurs. From all those sorrow. Voilà pourquoi ce matin, that's what I'm telling you this morning, quelqu'un sera certainement délivré. You'll be delivered, surely. Je dis, quelqu'un sera certainement délivré. Surely you'll be delivered. Quelqu'un sera certainement délivré. Surely you'll be delivered. Parce qu'il aurait crié à l'Éternel. Because you have shouted to the Lord. Qui t'entendra? He will hear you. Et il te délivrera. And he will deliver you. Amen. Amen. Il t'entendra. He will hear you. Et and il te délivrera. And shall deliver you. Conjonction de corps. It's a coordination. Quand il entend, when he hears, il se lève, and he stands, et il agit, and he moves. Voilà pourquoi, that's why, il n'est pas sourd, he's not deaf,
Il entend. Et il t'entendra. And he'll hear you. Et and il te délivrera. And shall deliver you. Il t'entendra. Hear you. Et il te bénira. And shall deliver you. Il t'entendra. Shall hear you. Et il te guérira. Shall deliver you. Il t'entendra. Shall hear you. Et le bel homme, le beau garçon, te parviendra. Il t'entendra. Shall hear you. Et le travail te parviendra. Il t'entendra. Shall hear you. Et les portes fermées s'ouvriront. Quand tu vas crier à lui, l'Éternel t'entendra. He will hear you. Et il agira. Elle s'avoue. Voilà pourquoi on ne parle pas circonstances. That's why that circumstances. Nous devons apprendre à crier à l'Éternel. We have to know how to shout to the Lord. Dès quelqu'un, ne ferme pas ta bouche. Don't close your mouth. Il dit ma bouche est ma bouche. My mouth is my mouth. Alléluia. Amen. Dis ma bouche est ma bouche. My mouth is my mouth. Je peux l'utiliser. I can use it pour manger. To eat. Je peux aussi l'utiliser. I can use it also pour parler. To speak. Pour demander. To ask. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit. Somebody said. Je ne mange pas avec ta bouche. Je ne mange pas avec ta bouche. I don't eat with your mouth. Je mange avec ma bouche. I eat with my own mouth. Quel est ton problème? What is your problem? Alléluia. Amen. Je ne crie pas avec ta bouche. Je I'm crie not avec shouting ma with bouche. Your mouth. I shout with my own mouth. Vous n'avez pas compris la révélation. You didn't got the revelation. Je vais vous la montrer. I'll show you. Bartimée est en train de crier. Bartimée also was shouting. Ils ont dit, tais-toi. Shut up. Aveugle, tais-toi. Blind man, shut up. Nous nous sommes à cause de lui là. We are with near. On n'a pas encore trouvé la solution. We have not yet found our solution. Et toi tu cries. And you are shouting. Qu'est-ce que Bartimée a fait? What did he? Il criait encore plus he fort. He shouted louder. Fils de David. Son of David. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Je dis à quelqu'un ce matin. I'm telling you. Je ne suis pas en train de crier avec alors ta bouche. Je crie avec ma bouche. I'm shouting with my own mouth. Dis à quelqu'un, Dieu aime les cris aussi. God loves shouting also. Dieu aime les cris. God loves shouting also. Bartimée, à force de crier. Bartimée was shouting. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Bartimée criait encore plus fort. He shouted louder. Et pendant qu'il était en train de crier, as he was shouting, Jésus continuait. Jesus was going on. Mais il criait encore plus fort. He shouted louder. Jésus continuait. Jesus was going on. Il criait encore plus fort. He shouted louder. Jésus continuait. Jesus was going. Il criait encore plus fort. He shouted louder. Et puis subitement, Jésus s'est arrêté. Quelqu'un est en train de crier mon nom. Je dois agir. Il se retourna et il a dit à ceux qui disaient à partir de cette terre, amenez-le moi. Je déclare, ceux qui se moquent de toi, viendront maintenant alors être garçon de course. C'est-à-dire ceux qui se moquaient de toi, quand ils leur disaient, tais-toi, ouais, je vais donner ton carton de course. Now come. Ah, c'est les mêmes qui ont dit, hey, le maître t'appelle. The master is calling you. Ceux qui ont dit avant, tais-toi. Those were certain shouters. C'est eux qui sont venus encore lui dire. Now said, le maître alors dit the de venir. The master is calling you. Et quand il est arrivé, when he arrived, il a eu son miracle. He received his miracle. Quand tu vas crier à lui, when you shout, tu recevras ton miracle. You will receive your miracle. S'ils n'avaient pas crié, ils allaient tous mourir de poison. Asumi didn't shout. S'ils n'avaient pas crié, Asumi didn't shout. Ils allaient tous mourir. All have died. Mais parce qu'il a crié, because he shouted, la solution est arrivée. The solution came. Voilà pourquoi. That's why. Je dis à quelqu'un. I'm telling you. Tes cris, your shouting, ont été entendus. I'll be heard. Et maintenant. And now, la solution te parvient. And the solution is coming. La solution te parvient. The solution is there. Si tu le crois, dis amen. If you say amen. Quand Élisée a entendu le cri, when Elisha heard the cry, the shout, il dit amenez-moi la farine. C'est le premier bill. Amen. Amen. Et quand lui amenait la farine, when he brought the meal, il a pris la farine. He took it. Il en jeta dans le pot. And poured it in the pot. Et le pot a été assaini. And it was le potage a été assaini. And the pot was become normal. Il a dit donnez-leur à manger. He said give them to eat. Et ils ont mangé. And they ate. Ils n'ont plus crié. And they didn't shout anymore. Mais plutôt il y a eu satisfaction. And they satisfaction. Maintenant. Now. C'est la bonne nourriture. This is a good food. J'ai dit à quelqu'un. I'm telling you. Après la pluie. After the rain. Il y aura le beau temps. There is a good weather. Après la pluie, il y aura le beau temps pour toi. There is a good weather. Je dis à quelqu'un, I'm telling you, le déluge prendra fin. The flood will end.
Le déluge prendra fin. The flood will end. Et tu finiras par marcher alors sur la terre. And you'll be able to walk on earth. Les problèmes, the problem, cesseront. Car ce qui a un commencement a aussi une fin. What are the beginning and the end? Je prophétise sur quelqu'un ce matin. I prophesy. Ton problème ne sera pas éternel. Your problem will not even last. Je dis, ton problème ne sera pas éternel. Your problem will not even last. La situation difficile dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne sera pas éternelle. Will not last. Ta souffrance, your suffering, ne sera pas éternelle. Will not last. Si de quoi dire amen. You say amen. Parce que ma Bible me dit, my Bible declares, selon Pierre, according to Peter, après, after, quand vous aurez souffert un peu de temps, when I have a time, après, after, que vous aurez souffert un peu de temps, you suffer for a little while, un peu de temps seulement, for a little time, celui qui vous a appelé, where I will call you, des ténèbres à la lumière, from the light to dark, celui qui vous a arraché, you may walk, du monde pour le royaume, from the world to the kingdom, ah, il viendra vers vous, he shall come with you, il viendra vers vous, he shall come to you, il vous fortifiera, he shall fortify you, ah, il vous affermira, he shall. Et il vous rendra inébranlable. Si de quoi dire amen. Je dis à quelqu'un, you, celui qui t'a arraché des ténèbres, celui qui a sauvé ton âme, il guérira également ta maladie. You heal your soul. Celui qui t'a sauvé ton âme, il te donnera maintenant lorsque ton cœur désire. He will give your heart desire. Je parle à quelqu'un ce matin. You, je dis, celui qui a sauvé ton âme, your soul, il fera le reste. He will do the rest. Parce qu'il ne fait rien à moitié. Because il ne fait rien à moitié. He doesn't stay on halfway. Quand il commence quelque chose, il achève. When starts something, he ends it. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. What he has started, he ends it. Je dis, il va achever ce qu'il a commencé. I say, when what he has started. Il a pris la farine. He took the meal. Il l'a jeté dans le pot. Put it in the pot. C'est quoi cette farine? What kind of meal? Yes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Let me tell you, brother. Cette farine n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. La matière première. The first, the raw material. Avec laquelle on prépare le pain. They use the bread. They cook the bread, sorry. La farine. It's the meal. C'est l'esprit de vie. It's the spirit of life. La farine. The meal. Mon frère, ma soeur. My brother. Il a juste utilisé. He just used. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Pour assainir. To just arrange. Pour arracher. To take away. La mort du pot. The death from the pot. Et amener la vie là où il y avait la mort. And bring life to where were death. Église de Dieu. Son of God, on a juste besoin, we need, du Saint-Esprit, the Holy Spirit. On a juste besoin, we need, du Saint-Esprit, the Holy Spirit. On a juste besoin, we need, du Saint-Esprit, the Holy Spirit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. We have the time of the Holy Spirit. Laissons l'Esprit de Dieu agir pleinement en nous. Allow the Spirit of the Lord to move in fully. Et la vie viendra là où il y avait la mort. And life will come where there was death. Élisée a pris la farine. Elijah took the meal. Il l'a mis dans le pot. Put it in the pot. Écoutez-moi ce matin. Listen to me this morning. Généralement, quand quelque chose alors. Most of the time. N'est pas bonne. Qu'est-ce que nous faisons? What something is not good? On fait quoi? We throw it away. Si if on te dit que ce repas-là est empoisonné, this food qu'est-ce is que tu feras? Poison inside. Tu ne mangeras plus. What are you going to do? You are not going to eat. Et tu vas le. You throw it away. Mais là, j'ai découvert quelque chose. I'm telling you. Et c'est pour moi une réveil. For me, it's a revelation. Le potage, the pottage, n'a pas été renversé. Were not poured out. Le pot, the n'a pot pas été jeté. Were not thrown away. Le même potage empoisonné. The same pottage and this. Le même pot qui contenait alors ce potage. The same pot. C'est dans ce pot que Élisée a versé là. It's the same place. The pot, the Lord put the meal. Elijah put the meal, sorry.
Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? What does it mean? Que le pot et le potage, every pot and every pottage, les deux étaient importants. They were very important. Les deux étaient both were very important. Ma Bible me dit, my Bible declares, que Dieu, God, a tant aimé ce monde, so loved the world, le monde corrompu, le monde souillé, le monde world, qui ne le cherche pas. The world, he rejects. Et c'est dans ce monde, in that world, qu'il a envoyé, and he brought, qui, who, le pain de vie, the bread of life. Pourquoi? Why? Parce que alors ce monde était important aux yeux de Dieu. That world was very important in the sight of God. Et ceux qui l'habitent étaient aussi importants aux those yeux de Dieu. Those who are living inside there were so important for God. Voilà pourquoi. That's why. Il s'est repenti de détruire encore le monde. And he repented to destroy the world. Depuis le temps de Noé. Since the time of Noah. Parce qu'il a vu que le monde était important. He saw that the world was very important. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. To the Lord, the earth and all that contain. Donc nous sommes, so we, importants aux yeux de Dieu. We are very important in the sight of the Lord. Voilà pourquoi. That's why. Ma Bible me dit. My Bible says. Et m'enseigne. En tant qu'enfant de Dieu. As a child of God. De ne jamais maudire qui pense dans ce monde, parce que tout cela sont importants aux yeux de l'Éternel. Everything will be important on the sight of the Lord. Mais de bénir. My bless. Amen. Amen. Parce que celui que toi tu veux maudire est agréable aux yeux de Dieu. Very important to be as the sight of the Lord. Parce que Dieu ne regarde pas ce que toi tu regardes. Ah, vous n'avez pas compris. Amen. Allons dans Luc chapitre 15. Let us go to Luke. Quand le fils prodigue a détruit tous les biens de son père. When the prodigal son destroyed all the goods of his father. Et quand il est revenu à la maison. When he came back. Le frère aîné a dit quoi? The elder brother said. Ce bandit. That robber. Cet escroc. That robber. Ce voleur. That thief. Ce gaspilleur. That qui a gaspillé tes biens. Avec des prostituées. With all those allots. Il revient à la maison. He's coming back. Et tu fais une fête en son honneur. And you make a party on his honor. Et le père a dit. And the father said. Celui-là. The one, c'est mon fils. Is my son. Il était mort. Mais maintenant, and now, il revient à la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, ce qui est mort reviendra à la vie au nom de Jésus. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es agréable aux yeux de Dieu. Dieu va amener la vie là où il y avait la mort. Mon frère, ma soeur, my brother, Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Quelle que soit la bévue que tu as faite, it doesn't matter what you have done. Dieu t'aime. God love you. Je dis Dieu t'aime. God love you. Mais il voudrait, but he wants, t'arracher de cette situation. Take you away from that situation. Pour que tu rentres dans la vie. To give you a life. Voilà pourquoi Élisée, that's why Elijah, n'a pas dit jeter ce pot. He didn't say throw the pot away. Ou verser ce potage. And throw away the pottage. Ou jeter le pot avec le potage. And throw away the pot and the pottage. Non. Mais il a assaini le potage. But he arranged it. Je déclare, I declare, que le poison qui est en ta vie disparaît maintenant. The poison in your life disappears. La mort qui est entrée dans le pot disparaît maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, l'Esprit de vie, the Spirit of the life, l'Esprit de vérité, the Spirit of truth, va amener la vie là où il y avait la mort. Will bring life where there were death. Si tu le crois, dis très fort amen. If you believe, say amen. Et la Bible dit, juste en ce moment-là, on that time, quand when, ils ont mangé, when they ate, quelqu'un vient de loin. Somebody came from far. Dit quelqu'un. Somebody vient de loin. Come from far. Et il a apporté quoi? He brought what? Il a apporté du pain. Bread.
Ma Bible dit, dans la Genèse, quand il y avait le chaos total sur la terre, lorsque l'obscurité couvrait les peuples, la première chose alors qui fut envoyée, c'est quoi? C'était le Saint-Esprit, the Holy Spirit. La farine qui se mouvait au-dessus des eaux. Et après la farine, après le Saint-Esprit, le pain va arriver. The bread came. Jésus va venir. Jesus came. Le Père a dit, the Father said, que la lumière soit. Dit, oh, ma Bible me dit, said, dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. L'Esprit se mouvait et la parole est sortie. Et la parole est Jésus. Selon Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et quand la lumière est arrivée, dans Jean 6, il a dit quoi? Il dit, alors mon corps, my body, est une nourriture. Mon sang est un breuvage. My blood. Je suis le pain de vie. Alléluia. Donc l'Esprit a assaini le potage. To the et la mort a disparu. And et puis le pain est arrivé. And the bread came. Pour dire, you said, à partir de ce jour, from now, vous ne manquerez plus jamais de quoi que ce soit. You know, je suis le grand pourvoyeur. Je pourvoirai à vos besoins. La famine alors disparaît. La mort disparaît. Car je suis là pour vous apporter la vie. To bring you life. Et la vie en abondance. Life in abundance. Selon Jean 10, verset 10. Selon Jean 10, verset 10. John 10. Il dit, l'ennemi vient. The enemy is coming. Le voleur vient. The thief is coming. L'adversaire vient. The adversary coming. Pour faire quoi? To do what? Il vient pour voler. To steal. Il vient pour égorger. To kill. Il vient pour détruire. To destroy. La mort est arrivée. By the death is dans le pot. It was the pot. Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui vient après. He didn't know somebody's coming. Et la Bible dit, the Bible says, mais moi, je viens pour de la vie et la vie en abondance. Après que le destructeur aurait fait son œuvre, celui-là qui est le vivant guérisseur, il viendra et va tout rétablir. Je l'appelle le restaurateur des restaurateurs. Je l'appelle le grand guérisseur. Je l'appelle celui-là qui bénit pour toujours. Alléluia. Et ce matin, il vient vers toi. Come to you. Pour t'apporter la vie. To bring life. Ce matin, this morning, il vient vers toi. He come to you. Pour t'apporter. To bring you. Il vient avec du pain. Bread. Le pain des prémices. The first fruit of bread. Alléluia. Amen. Le premier pain. The first fruit bread. Et c'est Jésus. And that Jesus. Il est ton frère aîné. Il t'apportera la vie. Shall bring life. Et la vie en abondance. And life in abundance. Si tu le crois, dis très fort amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce matin. Listen, morning. Quand il a apporté le pain, when he brought the bread, il l'a apporté à qui? He brought to who? La Bible dit il amena le pain à l'homme de Dieu. The man of God. Écoutez-moi bien. Listen to me. Dans mon ministère, my ministry, les plus grands miracles se passent quand je suis en train alors de prêcher. It's not but what I'm preaching. Alléluia. Amen. Et tu saisis la parole. You grab a word. Tu verras. You see. Amen. Amen. Il apporta. He brought des pains de prémices. The first bread. À qui? To. À l'homme de Dieu. To the man of God. L'homme de Dieu a pris le pain. The man of God took the bread. Alléluia. Viens ma soeur. Come. Et puis, and il remit le pain à qui? He gave it to à son serviteur. To his servant. Il a dit quoi? And he said, donne-le à. Give that to them to eat. Est-ce que vous m'écoutez? Do you listen to me? Il est venu. He came. Il m'a apporté le pain. He bring the bread. Je suppose que c'est ça le pain. This is the bread. Je prends le pain. I took the bread. C'est à moi. It's to me, belong to et me. Quand alors il a pris le pain, well, took the bread. Il a fait quoi? It is the one. Il donna à son serviteur. He gave it to the servant. Il a dit quoi? And he said, donne-le à to eat. Vous voyez ce que Dieu fait? Do you know what God does? Il a envoyé he said, le pain à l'homme de Dieu to the man of God. Et que l'homme de Dieu and the man of God fasse quoi? Do what?
Dieu a été béni pour être une source de bénédiction. You are blessed to be a source of blessing. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. God bless you to be a source. Il a dit à Abraham, je te bénirai. I bless you. Et tu deviendras une source de bénédiction. Oh, Église de Dieu. Church of God. Un vrai prophète de Dieu. A good prophet of God. Ne cherche pas. He doesn't seek for. Ses propres intérêts. His own interests. Le vrai prophète de Dieu. The true prophet of God. A pour priorité. A priority. Le peuple de Dieu. The people of God. Le vrai prophète de Dieu. The true prophet of God. Le vrai homme de Dieu. The true man of God. Sa priorité. Priority. Ce n'est pas ce qu'il va manger. It's not what he's going to eat. Sa priorité. Priority. C'est le besoin. It's the need. Du peuple alors que Dieu lui a donné. Of the people. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Ma Bible dit. Jésus notre modèle. Jesus, notre Dieu est venu. Came. Il ne s'est pas préoccupé. We're not worried. De sa propre vie. For his own life. La Bible déclare. Baba says. Qu'il n'avait nulle part pour faire reposer sa tête. But I don't know place to see. Il allait de lieu en lieu. He go to place to place. Je ne sais pas s'il était même squatteur. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. From place to place. Mais. But. Partout il passe. Everywhere he goes. Quelle était alors sa préoccupation? What was his preoccupation? Le peuple. The people. La Bible dit il guérissait. Il délivrait. He delivered. Il pourvoyait. He provided. Le besoin des gens. The need of the people. La Bible déclare il y avait 5000 personnes en sa présence. 5000 people in presence. Qui avaient faim. Who were hungry. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he do? Il a dit alors à Pierre. He said to Peter. Jean. John, James, à ses disciples, to donnez-leur à manger. Give them to eat. Ils ont dit, Merci. Seigneur, renvoie-les. Lord, sack them. Tu es de quel côté? Which side are you? Ceux qui renvoient, those who sack people, ou ceux qui donnent à, or those who sack, give food to eat. Alléluia. Amen. Ils ont dit, Merci. Maître, renvoie-les. Master, sack them. Il n'y a rien à manger. We have no food to eat. Mais le maître a dit, donne-le à manger. Give them food to nous eat. Nous sommes là pour vous donner à manger. We are there to provide. Nous sommes là pour pouvoir à vos besoins. We are there to provide. Nous sommes là pour prier pour vos besoins. We are here to pray for your nous needs. Sommes là pour vous apporter la satisfaction morale. We are here to bring a satisfaction. Nous sommes là. We are here pour prendre soin de nous, de vous. To take care of you. C'est ça la priorité des priorités. That's why the priority of priority. Il n'a pas mangé lui-même. He didn't eat himself. Il a pris. He took it. Et il a dit. Donne-le à give them to eat. Et homme de Dieu, si c'est cela notre priorité, if this one were not our priority, nous n'allons jamais nous approuver. We will never be poor. Et si c'est ça notre priorité, if this nous n'allons jamais nous appauvrir. We will never be poor. On dit souvent également, l'avarice perd tout en volant, tout. Mais celui qui donne, il reçoit. Mon frère, ma soeur, my brother, vous ne serez plus affamé. You will not be angry anymore. Vous ne manquerez plus de rien. You shall not lack anymore. Je dis, quelqu'un viendra de quelque part. Somebody shall come from somewhere. Et il t'apportera la provision. And shall bring the provision. Quelqu'un viendra de quelque part. Somebody shall come from somewhere. Et il t'apportera la solution. Shall bring the solution. Pendant qu'il y avait la famine. As we were famine, quelqu'un est venu. Somebody came. Qui l'a envoyé? Who brought it? We don't know. Voilà pourquoi je vais te demander, mon frère, ma soeur. That's why I want to ask you. Que rien ne t'amène. Nothing shall bring you. À sortir de la maison. To come out from the house. Je parle de quelle maison? We come house. Le royaume de Dieu. The house of the kingdom of the Lord. À cause des difficultés. Because of difficulty. Que rien. Nothing. Mais reste. Remain dans la maison. Stay there in the house. Il enverra. He shall bring la solution vers toi. The solution to you. Il enverra la solution vers toi. The solution. Reste dans la maison. Stay there. Attends le temps de Dieu. Wait for the time of God. Attends l'heure de Dieu. Wait for the hour of God. Quelqu'un viendra avec du pain. Somebody shall come with a bread. Quelqu'un viendra avec la solution. Somebody shall come with a solution. Alléluia. Amen. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ils ont dit. They said. Comment pour nous donner à manger à 100 personnes? How can we give food to 100 people? Ils sont tellement nombreux. We are, they are plenty. Ils sont tellement nombreux. They are so plenty. On ne peut pas. We cannot. L'homme de Dieu a dit quoi? The man of God said. Donnez-leur à manger. Give them to food to et eat. Et il y aura and du reste. Shall have rest.
Donnez-le à manger. Give that food to eat. Et il aura le reste. Shall have rest. Je dis à quelqu'un ce matin. I tell to somebody this morning. Il aura toujours du reste. Shall have rest for you. Tout ce qu'on va dire, il aura du reste. Shall have rest for you. Tu mangeras à ta faim. Tu mangeras à ta faim. Shall eat at. Et tu auras du reste. Shall have rest. On dit un jeune enfant. A young man. A donné tout ce qu'il a pour vivre. Gave what all sa provision. For his provision. 5 pains et 2 poissons. 5 bread and 2 fishes. Amen. Amen. Et la Bible dit, Bible says, 5000 hommes ont mangé. 5000 ate. Sans compter les femmes that et les enfants. Women and children. Donc on peut évaluer jusqu'à 15000 personnes qui ont mangé. It can reach to 15,000. Et la Bible déclare, the Bible declare, tous ont mangé. All of them ate. Et il y a eu du reste. And there were rest. Il y a eu encore 12 and 2 baskets. Donnez et il vous sera. Given shall be given to you. Sème et tu vas. And serve you shall be served. Moi je vais semer, toi tu iras moissonner. Qui a semé? Who sowed? C'est le petit enfant. It's the boys. Qui a donné tout gave, ce qu'il avait. He gave all he has. Et la grâce de la multiplication est descendue. When the multiplication came. Et en retour. And the back. Au lieu de 5 pains et 2 poissons. And you had 5 bread and 2 fishes. Il est rentré avec des paniers. He went with basket. Je dis à quelqu'un ce soir. I'm telling you. Ce matin. This morning. La mort est partie. Death has disappeared. Et la vie. And life. Est arrivée. Has come back. La mort a disparu. A disappear. Et la vie a pris place. And life has come back. Église de Dieu. Church of God. Tu ne peux jamais. You can never. Appauvrir. Be poor. En donnant. By giving. J'ai dit quoi? I said what? Tu ne peux jamais. You can t'appauvrir never be en. Poor. By giving. Mais. But. Il y a des principes de la semence et de la moisson. There are principles of semence, sowing. Si tu sèmes sur une terre stérile, tu ne moissonneras. If you sow in a barren ground. Mais si tu sèmes sur une terre fertile, you don't harvest. Tu pourras moissonner. But if you sow in a good place, you can harvest well. Alléluia. Amen. Dans quelle terre tu es en train de semer? Where are you sowing? Alléluia. Amen. La loi de la semence et de la moisson. The harvest. Respecte alors des principes. Have the principles. Car la reproduction se passe toujours selon l'espèce. Reproduction came with the same type. Si tu sèmes du pain, tu moissonneras du pain. If you sow bread, you will harvest bread. Si tu sèmes du poisson, tu moissonneras des. If you sow fish, you harvest fishes. La reproduction se fait toujours selon. Reproduction always happens the same way. Dans quelle terre tu es en train de semer? On which ground are you sowing? Est-ce une terre fertile? Is a good ground? Une terre productive? Productive ground? Si oui. If yes. Tu moissonneras. You shall harvest. Tu moissonneras certainement. You shall harvest. Je ne vais pas enseigner sur ça ce matin. I'm not here this morning. Il y a tellement de principes. It's not a principle. Mais je veux dire à quelqu'un. But I want to tell you. La mort. The death est estipé. Has been taken away du pot. From the pot. Et la vie and life est entrée dans le pot. Has entered. Si tu le crois, lève-toi sur tes pieds. Be on your feet.